Il romanzo Il caso Malassegna mi hanno mentito è uscito quest'anno dopo quasi 20 anni dall'ultimo libro della saga di Belleville. Perché proprio ora e come è stato ritrovarsi di nuovo a confronto con il personaggio di Benjamin e anche con il resto della famiglia? C'est pas les personnages et la famille que j'ai eu envie de retrouver, c'est l'écriture. L'écriture des Malocènes. L'écriture des Malocènes est une écriture particulière, métaphorica, que j'ai mis au point pour écrire des Malocènes. Et j'avais envie de retrouver cette écriture. Alors, en retrouvant cette écriture, j'ai retrouvé les personnages. Mais mon envie à moi, c'était surtout l'écriture. Il ciclo di Malassène è iniziato a metà degli anni Ottanta, proseguendo poi fino ai giorni nostri. Potremmo dunque considerarlo come una sorta di documento storico. Quanto i profondi cambiamenti, anche politici, degli ultimi anni hanno influito sulla costruzione dei suoi romanzi? Oui, si tu veux, tous les romans sont un petit peu sociologiques, ethnographiques, politiques, mais ce n'est pas le principal pour moi. Si on lit le dernier Malocène qui vient de sortir, et si on lit le premier, Paradiso d'Ayorchi, on voit les différences entre les deux sociétés. D'abord, tu n'étais pas né. Non è nata ancora, Tu n'étais pas capito? né, Tu non toi eri non nata plus, né, toi non né plus, nel et toi non 1900. plus. Et donc le monde a énormément changé. Et si un jour un historien en 2072 se penche, lit les Malocènes, il pourra tirer des enseignements sur la société de 1985, la sortie de Paradiso d'Ayorchi, la société de 2017. Voilà. Mais le but, c'est pas mon but quand j'écris. Quand j'écris, moi, tu sais, je suis un écrivain simple. J'écris pour raconter une histoire. J'écris pour la faire rire, pour te faire pleurer, pour... C'est tout. Continuando a parlare di mutamenti, le reazioni di Ben riflettono in qualche modo la sua visione della realtà come scrittore? La réalité, non sono che. Tu sais, il y avait un psychanalyste français qui s'appelait Lacan. Et Lacan, il avait une définition de la réalité. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en italien. Il disait, la réalité, c'est ce qui cloche. Le propre de la réalité, c'est ce qui ne marche pas. C'est le bordel. C'est le bordel génétique, c'est le bordel astral, c'est le bordel politique, c'est le bordel sociologique. Et le romancier, il met. À chaque livre qu'il écrit, il met un peu d'ordre dans cette. Il organise la réalité en récit. Mais il ne fait pas plus qu'organiser la réalité en récit. Un romancier, ça n'est pas un philosophe, ça n'est pas un sociologue. Un romancier, c'est un. Comme en Afrique, c'est un griot, c'est un raconteur d'histoire. Le romancier produit des métaphores. Là où le sociologue va produire des analyses du réel, là où le philosophe va produire des concepts et des systèmes, le romancier, lui, produit des métaphores. Nei suoi romanzi è sempre presente una forte carica di ironia e sagacia. È una chiave per leggere il mondo contemporaneo? C'est une clé? Non, c'est une manière d'être. C'est ma manière d'être. L'ironie, l'humour, parce qu'en français il y a une différence entre humour et ironie, c'est une manière de mettre une distance pour ne pas dramatiser inutilement. Capiche? Je refuse de dramatiser inutilement. Je refuse de propager
la peur instinctive, tout ça je refuse. Donc, c'est ça l'ironie. Uno dei grandi temi della 21esima edizione di Festival Letteratura è il rapporto tra la città in cui si vive e la propria storia personale. In che modo la città di Parigi ha influenzato il suo modo di scrivere? Ce n'est pas la città, il sestiero, un quartier. Quartiere, un piccolo quartiere, il mio quartiere, Belleville. Je vis depuis 1969 à Belleville. Et Belleville est une piccola planète con tutte le popolazioni di tutti i paesi, cinesi, arabi, africano dell'ouest, suédois, svedese, américain, toute petite planète miniature. Et j'habite là parce que ce que j'aime, c'est la diversité, le mélange, la mistoure, le mélange. Enfin, bon. Et mes romans rendent compte, dans mes romans, les Malocènes, c'est des romans qui pratiquent ce mélange. Voilà. Si io abitasse à Mantova, mes romans parleraient de Mantova. C'est ça la vie. Festival comme Mantova, c'est ça pour moi la vie littéraire. La vita literaria, c'est cette rencontre entre les lecteurs et les auteurs, etc. La vie littéraire, ça n'est pas la rencontre des auteurs entre eux, ce n'est pas une vie d'entreprise. La vie littéraire, c'est quand tous les gens qui lisent se rencontrent entre eux. Et c'est pour ça que c'est ce que j'aime bien à Mantova. Mantova est un très beau festival pour ça. Voilà.